Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus, c'est la prophétesse Harmonie, que Dieu vous bénisse infiniment. Aujourd'hui, on est le 3 juillet, donc je viens avec une vidéo qui concerne ce faux prophète qui s'appelle Kakou Philippe. Donc à nouveau, je reviens parler sur cet homme, cet usurpateur, ce menteur, ce faux prophète qui pervertit les âmes, oui, je le répète encore, qui pervertit les âmes. Qui ne fonctionne pas selon la volonté de Dieu, qui prétend des tas et des tas de choses qui ne sont pas réelles, qui se permet de dire qu'il est la réincarnation de Jésus. Alors Jésus te dit, toi qui prétends être sa réincarnation, qu'il va se charger de toi lui-même. Parce qu'il t'a laissé le temps pour te repentir, tu ne l'as pas fait. Tu as perverti beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes avec tes prédications, avec tes paroles mensongères qui ne sont pas. Qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, qui n'ont, il n'y a aucun esprit de Dieu dans tout ce que tu dis, il n'y a aucun esprit de Dieu dans tout ce que tu fais, il n'y a pas la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais dans ton église. Ok, ton église a beaucoup de membres, des adeptes. Malheureusement, ces personnes sont aveuglées, certains sont au courant et tout, mais continuent à te soutenir. Alors, je reviens avec cette vidéo pour te dire que le Saint-Esprit me dit qu'il va te frapper, il va se charger de toi. Et tous les adeptes qui te soutiennent, Kakou Philippe, ce menteur qui se permet de prétendre qu'il est prophète, qu'il est la réincarnation de Jésus, etc. Que vous vous rajoutez vous-même dans la liste des personnes que Jésus doit gérer, des personnes que Jésus doit corriger, des personnes que Jésus doit se charger et tout. Marchez avec le Saint-Esprit. Si vous êtes réellement des chrétiens, cherchez la direction du Saint-Esprit. Parce que vous avancez, là je parle des adeptes. Vous avancez aveuglément, vous n'avez pas vérifié si cet homme est réellement approuvé par Dieu. Vous avancez réellement, vous laissez vos sentiments prendre la place. Vous ne réfléchissez pas avec votre tête, vous ne réfléchissez pas avec le Saint-Esprit, vous réfléchissez selon les sentiments, selon votre ressenti. Le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en parole, mais il consiste en puissance. Sachez que vous qui soutenez cette personne-là, vous aurez la puissance de Dieu qui va vous questionner, qui va s'abattre sur vous. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, questionnez-vous avant de permettre d'insulter ou de dire quoi que ce soit. Prenez le temps de demander au Saint-Esprit, est-ce que cet homme qu'on suit est vraiment approuvé par le Seigneur? Et tout, parce que vous vous rajoutez vous-même dans la liste des personnes à punir. Et tout. Jésus-Christ, quand il est descendu sur terre, il a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie pour que vous soyez libres. Alors pourquoi vous suivez des gens comme des moutons? Pourquoi vous suivez des gens sans réfléchir? Vous suivez des gens sans demander à ce Jésus qui a donné sa vie pour vous? Pourquoi vous avancez tel des moutons sur une falaise? Vous voyez bien que devant les eaux sont en train de tomber, vous avancez. Jésus s'est laissé, il s'est donné pour vous, pour que vous soyez libre. Il s'est fait captif pour que vous soyez libre. Alors pourquoi vous entrez dans la servitude? Pourquoi vous avancez dans l'aveuglement? Pourquoi vous continuez à vous remettre dans l'esclavage spirituel? En tant qu'enfant de Dieu, votre devoir absolu, et de vérifier les écrits, et de vérifier la parole, et d'étudier la parole, pour pas que n'importe qui arrive vous dit n'importe quoi, et vous faites n'importe quoi, vous avancez sans réfléchir, sans la direction de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, de paix et de joie, et c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui ne rigole pas. Parce que si vous croyez que Dieu va vous pardonner, oh c'est pas grave, il nous a bernés, on n'était pas... Non, 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 vous êtes responsable. Prenez le temps de prier, prenez le temps d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que cet homme, ce Kakou Philippe, n'est pas du tout un homme de Dieu, n'est pas du tout un homme approuvé par Dieu. Vous ne tarderez pas à avoir des preuves quand Dieu va commencer à agir dans la vie de cet homme-là. Et vous qui continuez à le soutenir, vous allez aussi rendre des comptes à Jésus. Vous allez lui rendre des comptes parce que vous êtes responsable de votre vie spirituelle. Et si vous laissez votre vie spirituelle dans les mains de quelqu'un et non pas dans les mains de Dieu, vous êtes responsable. Kakou Philippe, Dieu, tu vas rendre des comptes. Ce n'est plus qu'une question de seconde. Tu vas rendre des comptes. Tu peux faire comme si de rien n'était. Tu peux aller pleurnicher auprès de tes adeptes, mais ça ne changera rien. Jésus-Christ, personne ne lui empêchera d'entrer. Personne ne lui empêchera de faire ce qu'il veut dans ta vie. Alors moi, je te dis, tu peux continuer tout ce que tu fais, mais tôt ou tard, tes adeptes vont ouvrir les yeux. Ils vont comprendre qu'ils sont dans le faux. Ils vont rejoindre pour ceux qui se laisseront guider par le Saint-Esprit, rejoindre le bon chemin. Et ceux qui ne se laisseront pas guider, je m'en lave les mains. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'était la prophétesse Harmonie. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Demeurez dans la présence de Dieu et à l'écoute du Saint-Esprit, c'est très important. Dieu vous bénisse sincèrement. Soyez dans la joie, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Que Jésus soit votre guide. Que son esprit vous guide, pas un autre. Amen. Dieu vous bénisse. Ciao.